auront à accueillir pour la troisième fois depuis leur création les championnats de France de ski alpin du 19 au 28 mars. Les sportifs ont pu s'affronter dans plusieurs disciplines sur les pistes du Colombier, du Siavalet et des Mélèzes. Ben, nous avons beaucoup de chance cette année puisque Oron accueille les championnats de France de ski alpin et ce sur 10 jours, donc à la fois les hommes et les dames. Donc c'est un très bel événement que nous pouvons accueillir grâce à l'infrastructure, aux infrastructures que nous avons mises en place depuis des années, grâce au syndicat mixte des stations du Mercantour qui est présidé par Christine Estrosi. Et puis aussi, il faut bien le dire, grâce à la neige de culture que nous avons fabriquée en début de saison, nous avons fabriqué beaucoup de neige et de ce fait, nous avons pu offrir des pistes de compétition d'un excellent niveau. Comme vous l'avez vu, Oron incarne en ce moment le haut niveau sportif en ski alpin. Au niveau de la préparation des pistes de vitesse, il a fallu installer 11 km de filet. C'était réalisé par le personnel de la SEM. Il a fallu arroser les pistes. Il a fallu préparer toutes les aires d'arrivée avec des raquettes de protection pour les coureurs. On a mis de nouvelles cabanes de chronométrage. On a mis des écrans à affichage par LED. Nos pistes aujourd'hui ressemblent un peu à des pistes de Jeux Olympiques. Et le village, la station ressemble à un village olympique actuellement. Et pour cette fin de saison, je dirais qu'on termine en beauté. Alors c'est Christian Estrosi qui est à l'initiative de ce bel événement, qui a voulu donc ramener à la fois cette compétition ici dans les stations Nice-Côte d'Azur, Oron et Isola. Et c'est l'Interclub de Nice qui est l'organisateur. Et il faut savoir qu'également les services de la SEM ont beaucoup participé, de même que les services municipaux aussi. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des organisateurs et puis de tous les services parce que tout le monde, aussi bien les commerçants, les hôteliers, tout le monde a eu à cœur de porter cet événement et d'en faire une réussite pour la station et également les stations Nice-Côte d'Azur. Les hommes se sont entraînés pendant les deux premiers jours en vue de la première épreuve, les championnats de Monaco. Une course où Nicolas Raffort s'est imposé devant Ken Caillot et Valentin Giromoine dans la catégorie élite. Bah plutôt bien, bien j'ai fait plutôt un ski, le ski que j'avais voulu, le ski que j'avais prévu. Je n'avais pas prévu vraiment de gagner parce que normalement c'était une course pour que les jeunes fassent des points fils et bon j'avais prévu de pas faire devant mais j'ai fait devant donc c'est bien et j'espère faire le même ski demain en tout cas. Non honnêtement non, le tracé commence à taper un petit peu sur le sommet, il y a un petit peu des bosses qui se sont formées, normal avec le passage mais la piste reste très bonne, très agréable à skier et c'est un plaisir quoi. Le lendemain, les championnats de France ont réellement commencé, avec encore une fois de la descente pour les hommes, où Maxence Musaton a remporté la première place devant Johan Claret et Roy Picardet. Le samedi, les hommes se sont affrontés dans un super G et les dames dans un géant. Tessa Worley, la puce du Grand Bornand, troisième du classement général en géant en Coupe du Monde cette saison. Et qui s'élance à l'instant même. On le rappelle, elle qui avait gagné à Zolden en tout début de saison. Elle compte trois autres podiums cet hiver, à Kronplatz, à Courchevel, à Semmering. 8 titres de championne de France pour Tessa Worley, dont 2 en Super G. Et puis également donc en géant, et notamment l'an dernier. Voilà, c'est bien, c'est évidemment la skieuse expérimentée qui va pouvoir peut-être mettre tout le monde d'accord. Pour l'instant, c'est bien les dernières portes maintenant pour la Bornandine. Oui, ben voilà, une belle journée ici sur les pistes d'Oron. Je suis très contente de cette victoire au championnat de France. C'est sûr que voilà, la saison a été longue, mais ça me tenait à cœur de finir sur ce titre. Donc il fallait aller le chercher. C'est sûr que la première manche, c'était assez serré. J'avais que 11 centièmes d'avance avec Clara qui était juste derrière moi à mes trousses.
Donc voilà, une deux un peu à la bagarre et dans un terrain qui bouge un peu plus, comme on les aime, quoi. Bien sûr, ouais, la motivation est présente. Après, c'est vrai que l'influx nerveux, l'énergie commence gentiment à baisser. Mais voilà, on essaie de rester vraiment dans la saison pour faire les choses comme il faut et aller au bout de la saison de la meilleure des manières. Donc pour le moment, ça commence bien pour moi ici à Oron. Et encore demain, je serai à la quête d'un titre, peut-être. Alors, je vais faire uniquement le Super G sur la semaine de vitesse ici. Donc encore une course demain au championnat de France et ensuite je vais faire un petit peu de test de matériel avec Rossignol et après ça le super slalom à la Plagne et après ma saison va se terminer comme ça. C'est vrai que j'ai aussi besoin de repos et de reposer mon corps donc ça va faire du bien. Le soir, des centaines de personnes ont accueilli les sportifs sur la place. Je voudrais souhaiter à tous ces compétiteurs de belles courses ici dans nos stations de Côte d'Azur et je vous remercie. Johan Claret a fini numéro 1 devant Nils Allègre et Maxence Musaton en Super G. Pour le géant féminin, c'est donc Tessa Worley qui a pris la plus haute marche du podium, suivie de Clara Diaz et Coralie Frasse-Sombré. Le public a pu assister aux remises des prix et au tirage au sort des maillots pour les épreuves du lendemain. Un géant pour les hommes à Isola 2000 et un Super G pour les dames à Oron. J'ai la chance d'être à l'origine et avec beaucoup d'autres à l'organisation de ces 106e championnats de France à Oron et Isola 2000 pour dimanche. C'est une manifestation majeure dans le ski azuréen et bien évidemment dans le ski national puisque nous avons la chance d'avoir tous les grands champions que l'on retrouve à la télévision pour nous suivons le ski toute l'année. On suit les champions et manifestement c'est le grand rendez-vous de l'année, les championnats de France. On n'a pas des montagnes beaucoup plus hautes que les leurs, par contre on a un savoir-faire et on a voulu leur montrer à tout ce ski, le ski français, que la station d'Oron et la station d'Isola 2000 pouvaient organiser des manifestations majeures. C'est une réussite à plusieurs titres. Un, parce que l'organisation est belle, on n'a pas eu d'incident majeur. Deux, parce qu'on a le soleil qui brille et le ciel qui est bleu. La neige est dure, ça tient magnifiquement bien. Les courses se passent dans de très très bonnes conditions, autant pour le premier que le dernier concurrent. Et Dieu sait si manifestement c'est un détail qui compte dans les courses de ski. Le dernier a toujours une piste quelquefois moins bonne que les premiers. On a la chance à Oron aujourd'hui d'avoir une piste qui n'a pas du tout bougé. Moi, les championnats de France à la maison, c'est top. Déjà, je reviens chez moi, donc ça fait toujours plaisir parce qu'on n'a pas l'opportunité de venir courir à la maison. Et puis, les championnats de France, il y a toujours un titre à aller chercher et c'est toujours un joli titre. Donc là, on est toutes là et on va tous se tirer la bourre pour aller chercher ce titre. C'était super, il y avait des bonnes conditions, il y a plein de bénévoles qui ont travaillé sur la piste, donc merci à eux. Et malgré la chaleur, la neige elle est restée bonne, donc c'était une super course. Oui, je suis contente, j'ai eu une saison un peu difficile, donc je suis contente de finir sur cette note, et surtout à la maison. Bah, ça me fait super plaisir parce que moi j'habite dans les Alpes du coup, et on passe un peu toute la saison là-haut, et j'étais pas rentrée depuis Noël, donc ça fait plaisir de revenir et de finir sur une bonne note. Bah oui, très contente. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas trop à cette vitesse aujourd'hui sur le Super G. La neige est hyper rapide et du coup, c'est vrai que ça amène un peu plus de difficultés que ce qu'on pensait sur les parties un peu plus plates où il y a de la vitesse. Mais c'était super bon skier et pour l'instant, je suis vraiment contente. Ouais. Moi, je sais que ça va être ma dernière course des championnats de France aujourd'hui. Après ça, il y aura un relâchement psychologique, je pense, et physique. Mais non, ce matin, pas difficile de se motiver du tout. J'avais vraiment envie de faire un beau Super G au championnat de France. Mais malheureusement, voilà, mon Super G des championnats de France, je fais une faute, donc je suis un petit peu frustrée. Moi, c'est vrai qu'il y a un endroit un petit peu piégeux, je pense, qui est au tout début du plat. Avant l'intermédiaire, avant la deuxième partie de course. Et je sais que là, je fais une bonne faute. Donc forcément, on emmène un petit peu moins de vitesse sur le plat et on prend un petit peu des centièmes à chaque porte. Donc ça coûte quand même assez cher. À Isola 2000, c'est le skieur Alexis Pinturo qui est venu à bout de ce géant, suivi de Victor Mufajandé et Thibaut Favreau. Dans la même journée, le Super G Dames a été remporté haut la main par Roman Miradoli devant Jennifer Pio et Tessa Worley. C'est un club qui peut candidater à cet événement. Le club, c'est Interclub Nice, donc un club 100% niçois, qui a candidaté en 2016 à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde à Saint-Moritz
où une délégation niçoise s'était rendue là-bas, et notamment en son premier lieu le maire de Nice, Christian Estrosi, le président d'Interclub Nice, Paul Rebaud, et moi-même qui suis le président du comité départemental de ski, et donc qui sont allés rencontrer Michel Vion pour proposer notre candidature, qui a été acceptée quelques temps après. Voilà. Donc déjà, pour réussir une belle course, il faut qu'il y ait une belle météo. Et donc on a beaucoup de chance parce qu'on a une météo, je dirais, idéale pour faire du ski, parce que les conditions de neige, il fait froid la nuit, donc des conditions de neige très dures, et en même temps du beau temps, donc ça veut dire une visibilité parfaite pour les athlètes. Et donc depuis 3 jours, on a assisté avant-hier au premier entraînement. Hier, c'était la première course internationale, le Grand Prix de Nice Côte d'Azur. Et aujourd'hui, on a assisté donc au championnat monégasque. Donc je dirais 2 belles courses internationales qui se sont réalisées ce matin sur la magnifique piste du Siavalé à Oron. Le ski est un sport technique où de nombreuses personnes s'occupent de l'entretien du matériel. La salle Roverie a été aménagée pour que les compétiteurs et les skimans puissent travailler dans de bonnes conditions. De l'affûtage jusqu'au fartage, chacun a sa technique. Tandis qu'un utilisera les outils les plus avancés, d'autres préféreront rester traditionnels. Plusieurs centaines de paires de skis sont donc passées entre les mains de ces hommes de l'ombre, sans qui les athlètes ne pourraient remporter leur course. Le lundi, les skieurs femmes et hommes se sont retrouvés sur la piste du Colombier pour un slalom. Chez les dames, Nastasia Noens, la skieuse azuréenne, a remporté la course, suivie par Kim Van Russel ainsi que Ninon Esposito. Quant aux hommes, c'est Clément Noël qui est allé le plus vite, suivi de Julien Liseroux et Victor Muffagendé. Le mardi, les femmes se sont entraînées en vue de l'épreuve de descente du lendemain. Une épreuve remportée par Roman Miradoli, suivie de Madeleine Chira et de Margot Bellé. Enfin, le dernier jour, les dames se sont de nouveau affrontées en descente, mais cette fois pour les championnats de Monaco. C'est cette fois Margot Bellé qui prendra la première place devant Jennifer Pio et Anya Monica Cale. Une 3e édition à Oron réussie, avec de la neige de bonne qualité malgré la fin de l'hiver, du soleil et de jeunes skieurs inspirés.